Salut Rob, comment ça va? Normalement, vous devez entendre un petit peu la musique. En tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est triste. C'est que je me serais fail. Comment ça va, Raph? Très bien. Bah, si ça va très bien, c'est tant mieux. Moi, je vais bien aussi. Je voulais lancer déjà il y a 1 heure, sauf que j'étais trop bien dans ma série. J'étais en mode, j'ai pas envie de jouer à un jeu, j'ai envie de regarder ma série. J'ai enchaîné les épisodes depuis mon réveil. Et au final, je me suis dit, bon, bah j'ai fini il y a environ 10 minutes. Je me dis, bon, bah c'est let's go, on va lancer pour le just blabla. Blabating. Du coup, voilà. Coucou girl, comment ça va? Hop. Je vais mettre des trucs inutiles que j'ai sur le PC d'ouvert. Oui, je suis sûre de fermer ceci. Voilà. Comment ça va, girl? Hier, quand tu es partie du vlog, j'ai fait une bêtise avec le skin. Ah, bah en tout cas, tant que ça va bien, c'est tant mieux. Et je vais bien aussi. Mais qu'est-ce que t'as fait à ton skin? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Et salut Akil, comment ça va? Aujourd'hui, tu peux voir, j'ai une tête normale. Qu'est-ce que t'as fait, girl, comme bêtise? Je me pose des questions. Tu as gribouillé. Non. Tu t'es fail, quelque part. Je sais pas. Comment ça va, Akil? Dis-nous tout. J'ai cliqué sur un bouton et ça m'a tout supprimé. Ah! Oui, là, c'est un peu plus problématique. Oh! Coucou, Raspou! Ça va très bien et toi? Et si ça va à kill, c'est tant mieux. Tant mieux. Tant que t'as réussi à rattraper le skin, c'est tant mieux. Hein. Parce que j'avoue, s'il y a tout qui s'est supprimé, ça devait être tellement long à refaire là. Avec le moment où t'es en mode non. Non, me dis pas que c'est ce que je crois. Non, je veux pas y croire. Je suis dans le délit. Je ne veux pas. C'est faux. Et au final, c'était vrai. Ah mince, j'ai laissé Nightbot avec ce lien. Il va vous le mettre en boucle. Malheur. Tragédie. Catastrophique. Je suis la pire. Je suis pas allée régler le bot sur ce point-là. Bon. Il me manque plus que les pantalons et les chaussures et j'ai fini. Oh! Bah, si t'as réussi à refaire déjà tout le haut, c'est bien. Tu prends ton temps tranquillement, chillax, et tu vas le finir. Et cette fois-ci sans tout supprimer. Silence à rendre sourd et pourtant. Oh là là, cette chanson. Ça va s'envoyer des screens. Moi aujourd'hui, ce que j'ai fait à mon réveil, c'est la première chose que j'ai faite, c'est vraiment ce que Anchan avait partagé hier, disant que sur Lost Ark, on pouvait avoir un costume gratos avec un nouveau familier et une nouvelle monture. J'étais en mode, oh, je veux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis vraiment allée chercher les. Bah, le costume gratuit, hein, parce que. Faut dire que quand même, le costume de chiot, je trouvais ça trop mignon. J'étais en mode, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Ah, j'ai pas hésité longtemps. Je suis allée récupérer direct. Direct, puis j'ai prévenu Golimou en mode, il y a des nouveautés! Faut aller récupérer! Du coup, voilà. Petite connexion sur la Stark. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai eu, mais voilà. Ce matin, je me réveille et je me rendors. Ah,
l'histoire de beaucoup de personnes. T'inquiète pas, mon réveil a sonné à 8h, je me suis quand même levée à 8h30. Parce que je me suis rendormie une petite demi-heure. De toute façon, je crois que l'auxiliaire, ouais, elle n'était pas encore arrivée, donc ça va. Quand elle est arrivée, j'étais en mode à l'aide. Il y a encore un coq qui est rentré en courant dans ma cuisine pour se planquer sous l'évier en ayant renversé toutes les croquettes des chats. Ce qui fait que j'avais des croquettes partout dans ma cuisine, mais jusqu'à ma chambre. C'était super le matin. Avant même d'avoir pris mon petit déjeuner, j'étais de très mauvaise humeur. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que je suis sans son si tu me parlais, désolée, blues. Ah! Ah! Ah bah d'accord. Et coucou, Kuro, comment ça va? Du coup, faut que je sache. T'inquiète pas, reste. Oh là là. Oui, je vais très bien, Kuro. Je vais très très bien. Même si j'apprends que depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'avais parlé, j'avais demandé à Raspou comment il allait. Bon, en soi, je sais comment il allait, puisqu'il avait parlé sur mon serve, sur le général. Donc on s'était déjà un peu parlé. Je sais qu'il va bien. Un petit peu fatigué, mais ça va. Ah là là. Et en fait, il m'entend pas depuis tout à l'heure. Bah, c'est qu'un détail. Ah là là. Ah là là, mais cette chanson, je l'aime cette chanson. Une patate? Comment ça une patate? Moi je me suis réveillée à 8h11, je me suis rendormie jusqu'à 9h11, je me suis rendormie 10h20 et je me suis réveillée 11h40. Et après hop, je suis en pleine forme, en train de chanter. Ah bah si t'as bien dodo, c'est tant mieux. Parce que voilà, si tu te réveilles à 8h mais t'es fatigué, c'est pas ouf. Par contre, si tu te réveilles en forme, en mode c'est bon, j'ai plus sommeil, oh, merveilleux, t'as envie de te lever, de prendre ton temps, de faire ci, de faire ça. Là, c'est que t'as bien dormi. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais envie de faire plein de choses. Mais sauf que, excusez, je me réveille à peine, tranquillax, il y a un coq qui agresse ma cuisine. Qui fuit parce qu'il se fait attaquer dehors par un autre coq. Il fuit, il rentre par la porte de la cuisine. Et il va se réfugier sous l'évier en ayant renversé des croquettes et mis des croquettes dans la gamelle d'eau et tout ça. Et mis de l'eau partout. Et qui c'est qui se tape tout le travail? C'est moi. À cause d'un coq. Après, mon père et l'auxiliaire se sont occupés de le faire sortir parce que j'étais en mode... Il m'a cassé les pieds. J'ai même pas encore pris un cappuccino qui m'a déjà cassé les pieds. Moi, faut me laisser moi mon cappuccino et mon petit déj avant de me faire faire quelque chose qui me cassera les pieds. Quand les gens font des bêtises drôles ou disent des bêtises drôles, je les appelle patates. Est-ce que cela signifie que du coup, j'ai fait une bêtise drôle ou que j'ai dit des bêtises drôles? Ou à moins que tu parles à quelqu'un d'autre. Ce matin, après même m'être réveillée, je voulais te spam de messages. Ah, un spam de messages. Il faut savoir que ce matin, j'ai pas vraiment répondu à beaucoup de messages. J'ai répondu à quelques petits messages, mais après j'étais vraiment à fond dans ma série. À fond. À fond, à fond, fond. Je suis une patate apparemment. Je ne sais pas ce que j'ai dit ou fait pour être une patate, mais voilà. Et salut Konako, comment ça va? Oui, quand je dis bêtise, c'est genre gentil, t'inquiète. Oui, je sais, mais je me pose quand même la question, qu'est-ce que j'ai bien pu dire de drôle? Est-ce que c'est l'histoire du coq qui est rentré parce qu'il se faisait attaquer par un autre coq à l'extérieur, qui est rentré dans ma cuisine et qui a osé renverser la gamelle de croquettes du chat avec un peu de l'eau du chat? Et qui s'est réfugié sous mon évier, et le pire c'est que je le voyais pas au début. J'ai dû quand même mettre vraiment la tête quasiment sous l'évier pour le voir bien caché en petite boule en dessous. Encore plus bien caché que la dernière fois. Ah là là. Mais je l'ai pas fait, je crois.
Non, tu l'as pas fait. Tu m'as pas spam ce matin, en effet. En effet, je crois que j'ai répondu à certains messages seulement. Il y a même pas une heure. Il y a quelques minutes. Petite patate. Ah oh là là. Mais je donne pas une patate, voyons. Bah, si tu vas bien, Konako, c'est tant mieux, tant mieux. Et moi, je vais bien. Je vais bien, je me suis réveillée tranquillement. En ayant déjà bon un truc qui me cassait les pieds avant même d'avoir pris mon cappuccino, mais ça c'est qu'un détail. Mais j'ai enchaîné sur une série qui fait que bah voilà, j'ai pas commencé à stream il y a déjà plus d'une heure, alors c'est ce que j'avais prévu de base. Voilà. Mais voilà, de très bonne humeur grâce à mes séries. pas grâce aux motos, etc., qui passent devant la maison. Je les aime pas, eux. Du tout, l'histoire avec la spoon qui est drôle. Ah! Je vois. Oui, girl? Il n'y a pas son, donc il sait pas de quoi on parle. C'est ça qui est encore plus drôle. Cady avec toi, elle t'a demandé deux fois si ça allait. Mais oui, je savais pas qu'il m'entendait pas au début. Galimbo, Alala. Bah si tu veux montrer le skin, n'hésite pas. Hein. Après si tu veux que plusieurs personnes puissent le voir, n'hésite pas à partager aussi dans les médias. Hein. Moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi sur Lost Ark. Hop, est-ce que j'ai le screen de... Je crois pas que je l'ai mis ici là. Screenshot. Et je crois que c'était... Je sais même plus si c'était celui-ci. Oh, ça va aller. C'est pas le même screen, mais... Voilà. Attention, je vous montre. Et voici maintenant à quoi je ressemble sur Lost Ark. Ne suis-je pas magnifique? Que pensez-vous de ceci? Je suis sublime, n'est-ce pas? Ah oh là là, comment quelle patate cette blouse? Comment ça? Ah oh là 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 là. Mince, elle m'avait demandé deux fois. Bah en fait, on en parlait sur Discord en ce temps, on avait parlé donc ça va. 1v1, moi le cœur du Nord Golemo. Oh là là, il va y avoir une bagarre. Konako contre Golemo. Ta connexion internet meurt un peu, Konako? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Que je n'aime pas Lost Ark, je ne dirai rien. Ah, tu n'aimes pas Lost Ark. Et pourtant, regarde que moi je suis mimi là-dedans. C'est mon beau petit costume. Il est sublime. Il est sublime, il est trop pipou. Et en plus, de base, je vais vous montrer un autre screen, mais... De base, il y avait plein de trucs à choisir. Enfin, tu choisis parmi plein de trucs. Et j'étais en mode, oh, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais choisir? Et celui-ci, je l'ai mis ici pour pouvoir vous le montrer. Ah, par contre, celui-ci, il va avoir du mal pour pouvoir l'afficher correctement. Oula, il me faudra une image neutre pour vous montrer en arrière-plan. Est-ce que j'ai une image neutre, moi? Je me pose une de ces questions. Parce que je crois que sinon, vous ne verrez pas correctement le truc. Blum, 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 blum. Est-ce que j'ai un truc neutre? Rien. Il n'y a pas d'image neutre où ça ne cachera pas et tous les machins trucs. Je me fatigue. Pourquoi j'ai pas d'image neutre? Je dois bien avoir un truc. C'est un gif, ça. Je me disais, ah, c'est une image, mais non, c'est un gif. Ah, si, j'ai le fond bleu. Mais pourquoi c'est. Mi. Voilà, donc il y avait tout ça. Il y avait du choix. Et ce matin, sachez que j'ai passé une heure. Une heure! À choisir qu'est-ce que je voulais parmi tout ça. Une heure. Au final, mon choix s'était porté. Est-ce que je peux retrouver vite fait... Normalement, je l'ai quelque part là-dedans.
Mon petit curseur de souris. Logiquement, il est là. Shit, te rétrécis pas trop. Hop, normalement, vous voyez mon petit curseur. Donc ça sera mon curseur de souris pour vous indiquer ce que j'ai pris. Alors, de base, je voulais celle-ci, la souris avec le ruban bleu, en me disant, bah c'est moi. Sauf que, petit souci technique, ruban bleu, c'est pour garçon. Ah, du coup, ça aurait été le ruban rouge. Mais moi, je voulais pas le ruban rouge, je m'appelle Bleu 09. Donc, je suis partie sur ce costume que vous avez vu. Et après, vient le choix du petit familier, trop mignon. J'ai hésité entre celui-ci, qui était nuit bleue étoilée ou je sais pas quoi, là, et celui-ci. Mon choix s'est porté sur celui-ci pour me dire, à Noël, au moins, j'aurai un petit chapeau de Noël sur mon petit familier. Puis vient la monture. Et parmi tout ça, qu'est-ce que j'ai choisi? Bah, j'ai choisi celui-ci qui était assorti au familier. Et voilà. Voilà comment faire simplement et efficacement. Voilà. Voilà. Explication faite de ce que j'ai pris. Je crois... Je voulais mourir après avoir pleuré pour le skin. Bah tu m'étonnes. Combien de fois ça m'est arrivé quand je fais un truc et tout ça, je suis trop fière, trop contente et là, ça crache ou ça supprime. Et je suis en mode, mais non, t'as pas le droit. Genre c'est quand ça m'avait supprimé toutes mes scènes de Streamlabs et tout ça, j'avais envie de pleurer. Et j'ai vraiment pleuré, je me souviens, j'avais pleuré, j'avais pris Golemou en vocal en mode, Golemou. Je me rappelle. J'avais vraiment envie de chialer. En plus, on avait un live prévu... Et c'était avec Ange en plus, et c'était sur DBD, et j'étais en mode, mais mes scènes. J'étais tellement dégoûtée parce que mon PC avait été AFK pendant je sais pas combien de temps, vu à cause de l'orage. Et tout avait disparu. J'avais tellement envie de pleurer. Et qu'à l'heure avant, je pleurais juste pour une création sur les Sims. Quand elle disparaissait. Et j'en pleure toujours d'ailleurs. Je suis un chaton. Ah non, je suis une lune noire, j'ai rien dit. Faire la souris ruban rouge. Bah ouais, mais moi je préférais quelque chose en bleu quand même, histoire qu'on me reconnaisse bien. En plus j'ai eu une autre monture encore, mais je l'ai pas en photo celle-ci. Faudrait que je fasse un screen, une photo de plus tard avec elle. Mais c'est un nouveau, une autre monture que j'ai eu, je sais pas comment. Je me suis connectée, j'ai eu plein de trucs, j'ai ouvert, j'ai eu ça. Voilà, prends le costume aussi, Grinosaur. Grinosaur? Hein? Grinosaur? Mes yeux piquent à force de pleurer pour le skin. Courage, girl. En soi, t'as déjà refait la moitié de ton skin, dis-toi que ça aurait pu être encore plus long. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus longs qu'un skin Minecraft. Et je te comprends, parce que j'avais quand même passé pas mal de temps sur mon skin. Sachant que je l'ai refait à plusieurs reprises, dans deux couleurs différentes, enfin deux couleurs. Dans une partie lumineuse et une partie sombre de mon skin Minecraft. D'ailleurs, je sais même pas si vous connaissez à quoi il ressemble mon skin Minecraft. Un monde sans danger de Starry Sky. Mais ça va, les gars, t'inquiète pas. Attends, j'essaie de regarder si j'ai la photo directement là-dessus. Normalement, je dois l'avoir dans un de mes dossiers de montage. Alors, élément montage. Parce que je sais que j'avais fait un montage l'année dernière ou l'année d'avant encore sur Minecraft quand j'étais avec mon duo de toujours, Nico Darwin. Sauf que bon. Voilà, ça date. Ça commence à dater maintenant. Pire des cas, j'ai la miniature YouTube où on voit ça dessus, mais je crois pas que je l'ai finalement. J'ai beau regarder, mais il est pas dans les éléments de montage. Pourquoi j'ai un saut de Minecraft, mais j'ai pas mon skin? Chelou. Bah, je vais vous montrer par rapport à une miniature.
Hop. Voilà. Donc de base, vous voyez le skin tout à droite? De base, c'est le mien, mais en version claire. Et... Oh la lumière, te casse pas! J'ai besoin de la lumière, moi! Coucou Cécé, comment ça va? Et du coup, voilà, de base, ça, c'est mon skin. Avec un casque sur la tête et tout. Sauf que, voilà, j'ai la version sombre et je l'ai pas, par contre, en PNG non plus. Faudrait que j'aille les faire, qu'on les voit. Très bien, et toi? Bon, ça va très bien. Très très bien. J'ai eu mon cappuccino depuis, j'ai mangé, j'ai regardé ma série, donc voilà. Le skin Minecraft? Bah, en fait, de base, les cheveux, le visage, je les ai repris sur un autre skin, mais la tenue, après, c'est moi, oui. Bon, après, on voit pas tout, mais de base, il y a bien plus de détails. Genre, sur les épaules, enfin, sur les manches, c'est ouvert, comme sur un haut que j'avais, que je kiffais. Porté au lycée et tout. Et sinon, elle a juste un casque en plus, hein. Voilà. Et de base, je l'ai comme ça dans ce blanc et bleu, mais je l'ai aussi en noir et bleu foncé. 2 heures pour mon skin. Courage, girl. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. J'arrive pas, moi, à faire les skins sur Minecraft. Ah ouais? Après, ça prend du temps, mais ça dépend si t'as une idée de si tu veux faire tout de A à Z, vraiment. Moi, je sais que le visage et les cheveux. Enfin. Oui, ça, j'avais déjà trouvé sur Google et j'étais en mode, oh, mais c'est ça que je veux, moi. Au niveau de la coupe et le visage et tout. Donc, j'avais pris ça. Et après, la tenue, bon, bah, j'ai fait par moi-même. Mais pour la tenue, en soi, c'est. Tu as une tenue en tête où tu l'as dessinée, tu as une image, quelque chose. Et après, tu refais juste les pixels en mode. Jusqu'à que ça ressemble le plus en fait. Faut juste prendre son temps et voilà. Mon skin, à moi je l'ai fait de A à Z. Ouais, ça tu me l'avais dit. Toi t'avais vraiment fait tout de A à Z. Et il était stylé en tout cas quand, de mémoire. Quand tu m'avais montré. Je regarde. Ouais, il était stylé. Meilleur truc de pixel, j'arrive pas. J'aurais voulu refaire mon avatar. Ah! Bye! Si après, si tu connais quelqu'un qui s'en sort pour ça, enfin, qui s'en sort et qui peut te le faire, demande à cette personne. Moi, je sais que. Je sais plus, je crois que c'est. C'est qui? C'est Rodin? Il y a quelqu'un qui lui a refait son avatar en skin Minecraft. C'est sur Intimidate, belle après-midi à vous tous. Ok. Hop. Il est moche. Comment ça, il est moche? Il est pas moche, ton skin. Alors, patte-patte, c'est compliqué. Alors, non, pas vraiment. Bah, si tu veux. Il y a pas de patte, mais voilà. Un jour, peut-être. Bah non, moi je le trouvais pas mal, moi. Bon, après, c'est les goûts de chacun. Mais après, c'est toi qui l'avais fait, celui-là, non? Ah là 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 là, ça patte-patte vraiment. Ah là 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 là! Ma. Sinon, quoi de neuf, vous les gens? Comment ça s'est passé le réveil? Pas trop mouvementé comme moi avec un coq qui rentre dans la maison? Qu'il a fait et j'en pouvais plus. Je voulais signer mon arrêt de mort. Gna gna gna, pas signé. Mais il était pas mal. Moi, je le trouve pas mal comme skin. Un pat-patter. Ah. Connais-tu Pat-Pateux? Le réveil normal, écoute. Ah bah. Un réveil normal. Toi, on avait bien de la chance. Et salut à toi, Lucas avec un Z. Comment vas-tu?
Moi, je voulais un réveil normal, me réveiller, tranquillement prendre mon petit déjeuner en ayant mis des viennoiseries au four, en me préparant un bon cappuccino et alors regarder un animé, une vidéo YouTube, ma série par exemple, et ensuite aller récupérer une viennoiserie et finir mon cappuccino avec. Non! Comment ça, t'es un gun girl? Non. C'est faux. C'est un jouet. Je vais bien et vous? Bah, ça va très bien par ici. Moi aussi, c'est un jouet. C'est un jouet. Non, c'est juste le mot violent. Je sais pas pourquoi le bot, parfois, il dit Ah, voulez-vous autoriser? C'est juste le mot violent, t'inquiète pas, Kuro. Il aime pas les mots violents. Marteau contre gun, qui gagnera cette bataille? Intéressant. Intéressant. Le corps à corps ou à distance? Ah, intéressant. Bonk, bonk. Ah là 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 là. Bon. Bon. Oui, bon, d'accord, c'est un jouet. Ah, bah, tu vois, je te l'avais dit que c'était un jouet. Et je sais à quoi ça ressemble un jouet quand même. Un pistolet en jouet, moi, je sais, hein. Mon petit cousin, il en avait plein. Au point que. On jouait avec et en mode. Let's go. C'est bon, on est en infiltration, tel que des flics. Nous avons notre petite arme. Et car, non, c'était juste des jouets. Même les nerfs sont bien plus dangereux que les jouets, les pistolets en jouet. J'ai une question très intéressante en DM que je vais m'empresser de répondre. Bon, que je vais tester un truc. Tu voulais tester quoi? Et salut à toi, Spico. Ça va très bien et toi? Alors, je réponds juste à Wolf sur un petit message. Ça a bien un peu éclaté. Ah bah, tant que ça va bien. C'est tant mieux, tant mieux. Connais-tu BTTV? Non, je connais pas. T'adores ton jouet? Bah, tant mieux si tu l'adores ton jouet, hein. Voilà, j'ai répondu à un petit message important. Alors, c'est une extension de navigateur pour Twitch. Ah ouais? Et ça fait quoi? Je vais pouvoir vous menacer. Pour avoir des fonctionnalités en plus, comme des emotes gratuites ou des trucs utiles, comme un récupérateur auto de points et un bouton host pour host une chaîne. Bon, en soi, bah, les emotes gratuites. Moi de base, j'en ai déjà dessiné pour le jour où ce sera bon. Ensuite, donc on attendra que ce sera bon. Récupérateur auto de points, déjà trouvé. Et bouton host pour une chaîne, bah, en soi, soit on fait la commande, soit moi je clique sur le même bouton que j'ai dans mon gestionnaire de stream. En un clic, en fait, ça fait un moment que je ne fais plus la commande. Parce que la commande, ça te dit une fois quasiment.
9 fois sur 10, depuis à peu près un mois, que la personne qu'on essaye de host, de raid, ou quoi que ce soit, elle n'existe pas, est introuvable. Alors bien évidemment, je passe par le bouton du gestionnaire de stream de Twitch pour faire mes raids et tout ça. Ce qui fonctionne bien mieux parce que j'ai jamais eu de soucis du coup par là, mais avec la commande j'ai parfois des soucis, ça me dit ça ne connaît pas. Comment es-tu arrivé à streamer et combien de temps? Alors, de base, je streamais déjà il y a, je sais plus en quelle année, avec mon petit cousin, de temps à autre, on streamait ensemble sur Twitch. On l'a jamais fait sur YouTube, mais sur YouTube on faisait des vidéos. Et voilà, je m'étais dit un jour, je reprendrai ma chaîne quand j'aurai le PC et tout. Et puis j'ai repris. Puis j'ai eu le PC. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre. J'avais déjà fait toutes mes scènes, tous mes trucs et tout. Et j'ai repris. Et j'étais contente. Et ensuite, on streamait pas. Je streamais pas régulièrement avant. Mais depuis, ça fait un petit moment, depuis l'année dernière, que maintenant je suis un peu plus régulière, on va dire. De style, on me voit quasiment toutes les semaines. Si ce n'est pas tous les jours, ou ne serait-ce quelque part. Même si ce n'est pas sur ma chaîne. Et si tu te demandes quel est mon plus grand record de stream, c'est 16 heures de live. Ou pour être, je sais plus. Bon, dans tous les cas, ça peut être pratique. Mais j'en ai pas besoin. Comment ça donner un compte? Je ne te donnerai pas mon compte. Désolée, girl. Ça ne marchera pas comme ça. Moto, arrête de passer devant chez moi. Ah oui, mais quand ce sera bon, tu en auras deux ou trois, je sais plus. Des emotes. Non, il y en a cinq de débloquer, des emotes gratuites. Quand ce sera bon. Alors que là, t'en as une ou deux dizaines. Ouais, mais bon. Pas envie de tricher avec Twitch. Hein. Et des emotes de base en plus. Comme le mangas. Mangas. Ouais, mais non. Bien évidemment. Ce n'est pas un secret pour personne. J'ai 23 ans. J'ai un décalage horaire de 2 heures par rapport à la métropole. Voilà. Et je suis la reine de Blazoria, mon royaume imaginaire. De toute façon, je blague, moi, je veux pas ton compte, je veux un câlin. Les câlins, par contre, sont toujours bienvenus. Voix d'une gamine de 12 ans, c'est vrai qu'il faut le préciser. J'ai la voix d'une gamine de 12 ans et j'habite à La Réunion. Et c'est pour ça que j'ai un décalage horaire de 2 heures actuellement. Depuis le 27 mars. Parce que avant, j'avais un décalage de 3 heures. Du coup, maintenant, je suis bien plus contente. Il n'y a que 2 heures de décalage avec vous. Je sais qu'il est 14h51 chez vous, précisément. Depuis le jour, je me suis fait griller par ma grande soeur. Quoi? Griller sur quoi? Hein? Qu'est-ce que t'avais fait, girl? Je ne devinerai pas ton âge. Attends. Quand on me dit ça, c'est soit que la personne est bien plus jeune, soit bien plus âgée que moi. Donc maintenant, je me pose une question. Spico 82. Analysons. Je vois que ton compte a été créé en 2017. Donc, il a minimum bientôt 5 ans. Vu que je crois que c'est mai qui est affiché. Ouais, mai. Donc il n'a pas encore 5 ans, mais il aura bientôt 5 ans. Donc tu ne devrais pas être si jeune que ça. T'es soit... je ne sais pas. On va tenter quand même un âge où ça peut être classique. Parce que quand même, je me dis,
Si, imaginons, tu t'es inscrit à l'âge légal de s'inscrire sur Twitch, c'est-à-dire à 13 ans. Ça voudrait dire que si je te rajoutais 5 ans, ça te ferait 18 ans. Alors, on va dire 18 ans pour commencer, parce que sinon, c'est que tu es bien plus âgé. On va dire comme ça. Hein. Cherchez pas d'où vient ma logique, mais ma logique, elle vient de là. Et Lucas, il dit 13 ans. Moi, je dis 18 ans. Bah, à ton avis, le jour où je jouais avec vous. Ah, mais on croyait que c'était tes parents, pas ta grande sœur, nous. On croyait que c'était tes parents qui avaient capté, que tu t'étais fait engueuler par eux. Ah là là, girl. Pour ça, j'étais en mode, mais tu t'es fait griller par ta grande sœur? Par ta grandeur. Par tes parents, oui, on avait compris ça, nous. Mais du coup, oui, si c'est ta grande sœur. Bah. En soi, la grande sœur devrait être le. La personne avec qui tu peux partager ce clair en mode chut, tu dis rien que je joue à un jeu, je ne dis rien que tu fais je sais pas quoi. Maintenant, après, je l'avais dit, mais tu avais pas vu. Ah, ah, bah j'ai pas dû voir en effet alors. Devinez mon âge sans me connaître. T'as 82 ans? Parce qu'il y a un 82 dans Spico. Spico, Spico. D'ailleurs, c'est Spico ou Spico? Eh oui, girl, je connais mon pseudo, oui. Non. Ok, bon, bah, c'est pas 82 ans. Je sais pas. À moins de te connaître sans. Enfin, de deviner ton âge sans te connaître. Voilà. Moi, ma soeur, elle dira rien à ma mère si je fais un truc. Mais si ma mère lui pose la question, elle dira. Ah bah. Paye. Nien. Quoi? Nien. Nien. Ah ben, compliqué. Année de naissance. Bah ouais, ça doit être 1982 alors à ce moment-là. Si c'est pas 1982, bon, il n'y a pas d'indice là, hein, y a un moment donné. Mais qu'est-ce qu'il y a, girl? Écris au lieu de dire besoin d'aide. J'ai besoin de savoir. Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui se passe. C'est moi que j'ai entendu miauler. J'ai entendu miauler. Ou nos vieux. 82, 82, 98, 8, 18, 18 plus 22, et ça fait 20, et ça fait 30. T'as 30 ans? Attends, mon cerveau, il se refait des maths. J'ai pas refait de maths depuis je sais pas combien de temps. Attends, 8, 18, 18 plus 22. Ça fait 20. Oui, ça fait 30. T'as 30 ans. 31? Hé. Mais qu'est-ce qui te fait ton téléphone pour que tu aies peur comme ça? Attends. 82, pour 82 à 98, 8, plus ça arrive à 97, tu rajoutes 10 pour arriver à 2000, ça fait 18. Ensuite, tu rajoutes le 2 de 22, ça fait 20. Ah oui, en effet, je sais pas, je rajoute seulement plus 10, mais c'est un 20. En effet, ça fait 40. J'ai pas fait de maths depuis des lustres. Ah là là. Oui, bon, 40. Hein. Bof. Peut-être plus âgé maintenant qu'on connaît. Ah là là. Bon, ça va. Ça va. T'as écouté le nouveau son? Nyeh. Alors, je me donne 28 ans, donc ça va pas. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Mais il met des musiques alors que je suis pas sur YouTube. Tu mets des musiques alors que t'es pas sur YouTube?
Bah, ça peut arriver. T'es sûr que l'application est pas en arrière-plan, YouTube ou Spotify ou ta musique de base, un truc en arrière-plan, ou même une simple page Google en fait. Parfois, t'as des sons sur des certaines pages. Qui est la plus jeune personne que tu as eue sur ton chat? La plus jeune? Je crois que c'était le plus jeune. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Alors déjà, on se pose la question. Comment se fait-il qu'à 10 ans, tu es déjà inscrit sur Twitch? En effet, me direz-vous. C'est surprenant. S'il n'y a personne pour surveiller, c'est vraiment surprenant. Bon, pas sûr que ce soit si surprenant que ça, mais voilà. Je crois qu'il avait 10 ans. C'est le plus jeune. Oui, sachant que de base, tous réseaux sociaux ou même Twitch, etc., c'est à partir de 13 ans. Et merci pour ton follow, Spico. Bienvenue à toi dans notre beau royaume du bleu. Même s'il y a pas mal de violets et de roses derrière moi. C'est qu'un détail. Et que ma robe est verte. C'est qu'un détail. Oui, ben non. J'ai pas utilisé YouTube de la journée. Oui, mais il suffit qu'à un moment donné. Attendez. Il faut pas que je le dise trop à haute voix. Comment expliquer ça sans que détecter, allumer cette chose? Parce que j'ai mon téléphone juste là, je sais que ça va venir réagir. Vous savez, ok. Et ensuite, vous dites le nom de la plateforme internet. Vous connaissez, Google. Vous savez, il suffit qu'il y a un moment donné, il ait capté ça. L'un de ces mots qui se dit, oh, la commande a été activée. Même si vous n'avez rien dit de tout ça. Parce que oui, je sais que ça le fait. Et je suis pas la seule. À qui ça dit, allez, je m'active. Il suffit que tu aies dit ça, un truc, je sais pas, qu'il ait compris comme ça, et il te met de la musique. Et même si t'es pas été sur YouTube, je sais pas, une page Google, un truc qui se met au hasard. T'as ouvert un truc Google sur ton téléphone, ou bien que t'es une appli qui s'est lancée, comme ça. Ça peut le faire, ça peut arriver. Oui. Spyco, sorry. Bienvenue à toi, Spyco. Ah là là, je suis la pire. J'ai pas utilisé mon téléphone de la journée aussi. Bah, vérifie que c'est pas un truc où t'aurais parlé, il aurait compris un ok, nanani, nanana, bibam, blablabla. Google. Je veux pas activer ce truc. Il me casse trop les pieds déjà mon téléphone. Parfois, t'as rien dit et ça active. Du coup, il se met à faire en mode une recherche. T'es en mode, mais de quoi tu parles? Je t'ai pas invité. Mais pourquoi Nightbot, tu mets d'un coup tous les messages là? Calme-toi, Nightbot. Calmos, calmos. Pourquoi j'ai une notification? Qui m'a notifié? Oh! C'est le petit Wolf. Il est en live. Hop, hop. Quand tu désactives ton micro, que tu dis un et qu'il te dit ouais, ça ce moment-là, tu sais très bien que du coup il t'entend que le micro est actif. Mais non, mais ça c'est avec des brumes de toute façon. C'est pareil, quand vous supprimez, je sais plus si c'était une histoire que. Parce que je sais que c'était pas en France la personne qui avait testé ça. Où tu supprimes ton historique, tu caches tout ce que tu veux de ton Google, et que d'un coup tu parles pendant des heures, enfin minimum une heure ou deux, un truc comme ça, de je sais pas, un sujet qui revient en redondant, genre tu parles de foot, tu parles de basket, tu parles de sport, tu parles de je sais pas quoi, ou bien tu parles de voiture, ou bien tu parles de fromage, ou de je ne sais quoi, Google va l'enregistrer, il t'écoute en permanence, et du coup il va te mettre des pubs ciblées. Ça j'avais déjà vu, j'étais en mode, oh là là, et le pire c'est que j'avais testé. J'avais testé, j'ai abandonné vite fait. Ah là 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 là. Et salut à toi Lucas, comment ça va? J'ai pas dit le machin. Bah oui, mais même si tu le dis pas, girl, moi je le dis pas et pourtant mon téléphone il s'active en mode, t'as dit quelque chose, tu l'as dit. Allez, maintenant je m'active et je fais une recherche. Et je suis en mode, mais pourquoi tu t'actives? Pourquoi tu t'actives? J'ai juste dit pain de mie. J'ai juste dit goutte pour les yeux. J'ai juste dit switch. Non, il décide que je l'ai dit. Je l'ai pas dit.
Quelqu'un avait fait le test. Mais oui, mais je crois qu'il y avait un Français qui avait fait le test, mais il n'était pas en France à ce moment-là quand il avait fait le test. Et il était en mode, est-ce que ça marche en France ou est-ce que ça ne marche que hors France? Ça va savoir. Mais je pense que ça marche partout, hein. Moi, j'avais tenté, mais j'avais eu la flemme au bout de 2 heures que ça m'affichait rien. J'étais en mode, bof, flemme. Je sais plus de quoi je parlais. Je parlais d'un truc ciblé en plus. Je crois que je parlais de foot, justement. J'étais en mode, vas-y, le foot, ballon de football, etc. Juste en mode, voyons, est-ce qu'il va me mettre des pubs, des trucs juste pour le foot? Et je vais être en mode. Ah, oh là là. Ah, il l'avait pas fait finalement. J'ai eu la flemme au bout de 2 heures, je crois. Genre, il a dit ping-pong, ping-pong, ping-pong pendant 30 minutes, c'est ça a marché. Bah ouais, mais moi pendant 2 heures, ça n'a pas marché. Avec toi, c'est drôle. Bah oui, bah mon téléphone, il me fait des trucs aussi chou. Et oui, on va très bien. On va toujours très bien. Et toi, Lucas? Comment vas-tu? C'est le grand JD qui avait testé. Le grand JD? Est-ce que c'était chez lui que j'avais vu? Est-ce qu'il était en France à ce moment-là quand il avait testé ou pas? Parce que si ça se trouve, c'est lui que j'ai vu la vidéo. Mais je sais juste que la personne qui avait fait le truc, le test, n'était pas en France à ce moment-là précis. Je vous laisse, je reviendrai plus tard. Ok, girl, à plus tard. Bon, j'ai encore des notifs. Ah oui, mais j'ai pas laissé passer cette notif. J'ai pas dit que je l'ai vu. Et il y en a une autre qui est arrivée en chrétien. Ouais, non, non, c'est pas ça. Je sais pas. Il y a des moments, parfois, il s'active. Mais genre, vous avez déjà dû remarquer quand on est en live, parfois, on joue à des BD ou je ne sais quel jeu, etc. Et d'un coup, je vous dis, attendez, le chat, je vous vois plus, je peux plus vous lire. Il a osé ouvrir Google. Oh, l'aide. Non, je ne t'ai pas appelé. Et ben, oui, il y a Google qui s'affiche parfois en plein milieu du téléphone, sur le chat, et je suis en mode, non. Et du coup, il m'ouvre une page Google et je suis en mode, mais casse-toi, laisse-moi voir mon chat. Vu que j'ai qu'un seul écran d'ordinateur, je suis en mode, mais casse-toi, laisse-moi voir le chat. Comment donne de la bonne humeur, SVP? Bah, ici, généralement, il y a toujours de la bonne humeur. De la bonne humeur. Et s'il n'y en a pas, bon, à ces moments-là, et à ce moment-là, bah. C'est quand j'avais pas tardé à arrêter le stream. Ou bien dire, remettez-moi de la bonne humeur dans ma life. Voilà. Et toujours de la bonne humeur, sauf quand il n'y en a pas. Voilà. Et quand il n'y en a pas, et ben à un moment donné, c'est pétage de plomb, remettez-moi de la bonne humeur. Allez, parlons de quelque chose de plus intéressant, de plus joyeux. Parlons de. De couleurs de bougies qui se vendent dans les magasins. Vous ne trouvez pas qu'elles sont jolies? Et bienvenue à toi, Lucas, dans notre beau royaume du bleu. Même si mon fond est violet et mon sol est rose et que ma robe possède du vert, bienvenue à toi. Donc, techniquement, il n'y en a pas toujours. Parlons de la fusion nucléaire. Ah non! Ah non, je ne suis pas du tout la personne avec qui il faut en parler. Moi, je suis en mode, j'écoute avec du pop-corn, mais ne me demande pas. Ne me demande pas de parler de ça, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me parles d'une fusion nucléaire, je dis. Ok, salut, ça va? Je n'y connais rien, mais ok, salut, ça va? Il fait beau, hein? Oh, ouais, il a plu tout à l'heure, mais il y a un beau soleil là! Et Golimou a dit, prout! Voilà. Et la conversation est. Elle est magnifique. On a. Non. Non, Lucas. Non. Ici, c'est non. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah là là! Ah, le bot a dit qu'il n'aimait pas l'image. Qu'est-ce que t'as bien pu mettre? Qu'est-ce que t'as mis? Je regarde vite fait le profil. Ah! En effet, je vois, il y a eu un grand spam de en majuscule avec plein d'autres lettres et de chiffres derrière. Pas étonnant que le bot était en mode. Fais gaffe, t'étais en majuscule. Ouais.
trop de ha ha ha. Ah là là, le bot il était en mode non non non, il y avait trop de mages hein. T'as trop rigolé hein. Ah là 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 là, Nightbot. J'aimerais bien poser une question à Nightbot. Que pouvons-nous lui dire? Lui demander. Oh, je sais. Hop. Est-ce qu'il marche? Je me demande s'il va marcher. Non, tu veux pas marcher? C'est pas ça la commande? J'ai un doute maintenant. Je crois que c'est ça la commande. Attendez, je suis en train de regarder sous mon propre stream la commande. Ah, mais je crois que c'est peut-être parce que il s'est mis une majuscule. Quel est le plat le plus drôle? Mon droit est désormais accompli. Voilà, j'ai rigolé pas en majuscule. C'est celui que j'ai cuisiné il y a 3 jours. Quand j'en ai pas cuisiné. Attends. Et je n'abandonne pas. Pourquoi il n'a pas répondu? Voyons voir, je vais poser une question à Nightbot, je vais bien réussir. Hein. Mais je crois que c'est parce qu'il y a une majuscule. Pourquoi il veut pas marcher aujourd'hui? De base, il est censé fonctionner. De base, quand on lui pose une question, il répond. Chelou. Bref, le plat le plus drôle, c'est le riz. Ah ah ah, non. Non, Lucas. No suicide. No. 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 Je dis no. Quand je dis no, c'est no. Nightbot, il ne veut plus fonctionner. Je ne sais pas pourquoi il est cassé. Il veut bien partager les trucs, mais il ne veut pas partager ça. Est-ce que ça se trouve, le truc, il est plus bon? Ce serait bizarre. Ça se trouve, il est cassé. Vous imaginez si mon petit Nightbot était cassé? Que ferais-je? Que ferais-je de ma life? Oh, la commande a l'air d'être toujours active. Attendez, je copie la commande de base. Nightbot! Non, non, tu me laisses ce Twitch mettre Nightbot comme je veux. Ah, mais préviens plutôt Nightbot que t'es avec. Envoie qu'avec ton bot Wizbot là. Ah là là. Ah bah si, il marche, hein, tu vois. Il est juste casse-pied, il voulait pas répondre. Ah là là. Ah, c'est grand-mère. Bah non, 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 et au final, hein. Voilà, hein, t'as vu ce qu'il est, comment il est là, ce bot? Allez, je te répondrai plus tard, je suis en vocal avec mon bot Wizbot, mais. Ah là là, mais c'est pas possible ça. Dis-nous plutôt, Nightbot, voyons. Pourquoi est-ce que je ne bouge plus? Waouh! Ah! Attendez, pourquoi? Je me refais posséder! remets le coup en place! Pourquoi? Je suis cassé! Je suis cassé. Non. Il n'y a rien à faire, j'ai la tête à l'envers. Je crois que j'ai le cou cassé. Ça c'est Nightbot qui s'est vengé. Nightbot s'est vengé. Attendez. Oh, ça fait pas envie que je suis possédée. Salut, ça va? Non, mais...
mais please, réinitialisez-moi ça. Please. C'est bon. J'ai rêvé réinitialiser la pause. Ah mais please, pourquoi ça me fait ça? Il y a des fois, je comprends pas. VC Face, déjà, je pense que ça va être la journée. Parce que tout à l'heure, quand j'ai démarré à peine VC Face, je sais pas, j'ai regardé légèrement à ma droite. D'un coup, mon avatar, il était déjà parti en mode boum, totalement retourné. Et car il ne fait jamais ça. Le bot en vocal est un bot. Un char au sommeil bot. Il flirte avec Whiz bot. Elle meurt. Rip, rip. Un torticoli. Ah oui, le torticoli, par contre, oui, je pense que j'en ai eu un là. Un sacré. Rip, le retour de la possession. Mais oui. Possession extrême. Je suis juste tranquille. Ouh, là, en train de parler d'un coup. Vas-y, le coup cassé. Oh, je meurs. Ah. Ah, c'est le retour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à nouveau cassé. C'est pas du tout prévu, mais laissez-moi. Mais oui, bon. Attendez, comment faire pour comment vous mettez mon... Ok, alors pour que vous voyez un minimum au bout de mon visage, je suis obligée de me faire un torticolis IRL. Attendez, non. Mais il est cassé. Ah là, mais VC Face, c'est des moments où il y a des jours où il décide d'être cassé. Waouh, tu réinitialises et tu ne te casses pas plus. On va essayer d'éviter de bouger. Un truc derrière moi que ma cam pourrait prendre à ma place. Des bouts. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait refaire un truc chelou. Des bouteilles d'eau. Bah non, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre, c'est ça le pire. En fait, y'a rien qui change de par rapport à d'habitude, c'est ça le pire, mais ça arrive parfois qu'il fait des trucs chelous. Oh là là. Aimes-tu les pâtes? Ah bah, d'un coup, il a envie de répondre. Qu'importe la question, ma réponse sera oui. Ah ah, il aime les pâtes. Oh là là. Oh là là. Oh là, tous les clips qui vont débarquer. Est-ce que tu penses que Blaze est possédé? Oui, on me demande. Ah là, un fantôme? Ah bah, peut-être. Papi? Mamie? Est-ce que c'est l'un d'entre vous? Non? C'est pas vous? Ah, je sais pas, VC Face est possédé. Je suis possédée de partout. La vengeance de Nightbot. Regardez-moi m'envoyer le clip. N'hésite pas à partager sur le serveur aussi si tu veux. Oh, regarde, c'est le skin que je devais faire. Et je l'ai fini. Oh, mais il est stylé aussi ce skin-là, girl. Avec les cheveux verts. C'est Granny. Oh mon dieu. Ah là là, oh mon dieu. Nightbot, est-ce que la pizza est censée être triangulaire, comme le dit Mr. V? T'es qui, toi? Pourquoi tu me parles? J'étais en train de déguster un bon ramen. Ah, il est pas pizza, lui, hein, il est pas pizza, il est ramen, hein. Oh, j'adore. Pas ce Wismat, et c'était Nightbot. Ah là. Wismat a réussi à prendre cher instant. Et car c'était même pas pour lui le message. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Bon. Hormis les nombreuses possessions que mon avatar a eues. Maintenant, vous savez que j'ai peur de tourner la tête. Parce que je sais que si je tourne la tête, à un moment donné, il va faire un truc chelou, mon avatar. Au point que je vais me dire, mais est-ce que un jour ça... Parce que je sais qu'une fois, ça ne marchait plus de réinitialiser. À un moment donné, mon avatar était bloqué dans sa possession. Et il fallait que je ferme VC Face pour le réouvrir en mode... je dois disparaître pour revenir. Du coup, je peux récupérer ma bouteille d'eau? C'est bon? Je détecte encore ma tronche? Il détecte ma tronche. T'es méchant. J'ai envie de te répondre avec quelque chose de drôle, mais je n'ai rien en stock, donc tu n'auras aucune réponse de ma part. Oh non. Ah là, Nightbot, il est déchaîné aujourd'hui. Tu l'as vexé.
Ah là là. Slash Black Nightbot. Ah là là. Ah là là. Nightbot, tu as fait fort impression. Une forte impression. Eh bien, j'avais soif. Nightbot m'a donné soif, hein. M'a donné soif, ma possession m'a donné soif. Waouh. Ah là 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 là. Toi, le vent, si tu fermes ma fenêtre, je te défonce. Même si tu es du vent. Ah là. Bah, du coup, Golemou vous a partagé sur mon serveur le magnifique clip de la vengeance de Nightbot. Ça me bute. On adore. Je crois que la plupart des clips sur ma chaîne, ça, c'est des possessions. Des possessions. Je me fais posséder. Et c'est terriblement flippant parfois. Ou parfois c'est assez drôle quand tu vois ce qui s'est passé une fois avec Golemou. Je sais même pas, est-ce qu'on a encore le clip facilement retrouvable? Mais c'était drôle. Ah là 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 là. Eh ben, il s'en est déjà passé des tas de choses en une heure. Vous vous rendez compte? Je suis morte. Morte de rire. Et en même temps, morte. Parce que je me dis, maintenant que tout est passé en une heure, qu'est-ce qui nous reste pour les prochaines heures? On a déjà tout dit. C'est déjà tout passé. La possession est passée. Et ça se trouve, il reste des choses. Ah si, peut-être que je pourrais vous montrer comment j'ai fini mon coloriage. Vous savez que sur Google, si vous tapez coloriage pour adultes sur Google, vous pouvez tomber sur des coloriages qui vous pouvez ensuite les faire. Moi, j'ai pris un coloriage et je l'ai colorié ensuite sur la tablette graphique. J'étais trop contente. Ça m'occupait, ça me détendait, c'était relaxant. Le voici. Je vais le placer sur vous. C'était un coloriage. Je me suis amusée à le colorier. Il est joli, non? Il est beau, le coloriage. C'était drôle. C'était marrant. C'était sympa. J'ai tout colorié de A à Z. En me disant, vas-y, je vais tester des trucs. Il y a des trucs que j'ai trouvé hideux, affreux de ce que j'ai fait, mais que j'ai arrangé. Histoire d'être un peu plus contente. Il me reste 1300 points à avoir pour ce live. 1300 points. Ouh. Bon, moi je vais, j'espère que tu m'oublieras pas. Je reviendrai dans environ 2 semaines. Et si tu m'oublies pas, j'offre 2 subs. Bonne chance à... Ok Lucas, bonne journée à toi et à la prochaine. Dans 2 semaines du coup, vu ce que tu m'as dit. Et t'inquiète pas, au pire, tu me traiteras de la pire espèce. Je serai la pire sorcière. Je fais des plus beaux dessins je trouve. Après moi c'est pas un dessin que j'ai fait, moi c'est juste un coloriage. J'ai juste colorié. Parce que je dessine pas ça moi. Je ne vois pas dessiner des trucs comme ça. Voilà, hop. Et du coup, salut Futaro, ça va très bien et toi? Bien. Vas-y, on la planque ici en attendant. Un gueux. Non mais de toute façon, je dessine pas du tout mieux. Bah, en soi, je crois pas que j'ai un dessin que j'ai fini, que je peux vous montrer. La pire des reines aussi. Oui, c'est qu'un détail, hein. J'ai un niveau exécrable en dessin. Ah là là. Je regarde, est-ce que j'ai un dessin que j'avais fini? Qui est montrable, d'ailleurs, aussi. C'est possible. J'ai un dessin que j'avais fait en live un peu. Enfin, que j'avais continué en live, mais il n'est pas fini. C'était un chat. Sinon, après, j'ai rien d'autre. J'avais dessiné un renard. Mais sinon, après, il n'y a rien. J'ai pas fait beaucoup de dessins sur la tablette. J'ai fait des coloris.
et j'ai retiré des fonds, des trucs comme ça avec mon petit stylet, mais sinon, ouais, y a pas énormément de choses en soi. Ah bah la reine, elle nourrit pas son peuple. Comment ça mon peuple n'est pas nourri? Comment ça? Comment ça? Mon peuple est très bien nourri. Souvent quand on dit ouais mais non je suis nul en dessin, on te dit mais non, dis pas ça, dessine un truc mais fais genre un chat et tu fais un truc pas mauvais et on te dit bah non t'es pas si mauvais. Bah, en fait ça dépend en fait de ce que vraiment est-ce qu'ils sont sincères ou non surtout. Mais après toute façon même les bons dessinateurs ils se considèrent parfois pas bons. Alors dis-toi qu'en soi, voilà. Moi je suis pas la plus douée, ça c'est sûr. Mais je me débrouille pour que ce soit reconnaissable, à minimum. Je sais juste que j'ai des difficultés à dessiner certaines choses qui paraissent pourtant si simples. Et qui sont simples à dessiner, même moi que j'ai des difficultés là-dedans. Et pourtant il y a des trucs plus difficiles que je réussis mieux. Va savoir pourquoi. On me dit, ah ouais, chaud, t'es vraiment nul en dessin. Nul et fier de l'être. Ah. C'est que des bonhommes bâtons que tu sais dessiner? Le problème de motricité. Bah, ça arrive. Si t'as des problèmes de motricité, c'est pas ta faute. T'inquiète. À peu près que des bonhommes bâtons. Je vois. Après, si tu veux faire des trucs un peu différents, tu peux faire des sortes d'ovales, de ronds, pour faire des formes différentes. C'est pas obligé que ce soit ultra classique, beau, style manga, etc. Hein. Tu peux créer ton propre style de dessin. Hein. Un style à tes dessins, ben voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. Un style à tes dessins. Un style. Moi, je sais que quand j'étais au collège, je dessinais parfois des trucs dans mon cahier de brouillon qui n'avaient aucun sens. Mais quand les gens regardaient, ils étaient en mode « Oh, c'est joli, c'est quoi ?» Bah, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça représente. Il y a un dessin que j'avais fait tout au feutre, stylo, crayon, etc. Lui, faudrait que je fasse un jour une photo pour qu'on puisse le voir parce qu'il est sur deux pages. Et en vrai... En vrai, il rend plutôt bien. En soi, on voit des trucs différents. Moi, avec mon père, on voyait un éléphant dessus, mais il y a d'autres gens, ils voient autre chose. Enfin non, moi, je voyais un éléphant, mon père, il voyait encore autre chose, lui. Je sais plus ce qu'il voyait. Mais voilà. Chacun son style, son art. Bah, tant mieux. Si c'est de la bonne, c'est parfait. C'est sublime. Sublime, sublime. C'est le plus important. Mon père est en train de se servir à bouffer. Ah là 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 là. Jouer le Stark. J'y ai pensé tout à l'heure, j'y pense encore. J'avais pas vu qu'Angel sur le serveur Discord de Milieu avait vraiment fait un avis constructif de plus de 250 caractères comme je l'avais demandé. Ah mais t'avais pas vu? Ah bah non, quand tu l'as vu, tu peux le lire et bah donner un avis sur ce qu'il t'a donné comme avis. Enfin voilà, tu peux voilà, lui dire au moins que t'as vu, que t'as pris connaissance de son avis. Moi j'avais vu ça, je l'avais vu la réponse instant et j'étais en mode waouh, j'ai la flemme d'écrire. La flemme de donner mon avis. Pour moi de toute façon le dessin c'est libre. Donc tant qu'on s'amuse bien, même si c'est moche parfois, tant qu'on s'amuse bien,
C'est le principal. Regarde par exemple sur Gartic Faune. On est tous logés presque à la même enseigne. Et je dis bien presque parce que certains utilisent soit une tablette, soit un téléphone avec un stylet, soit une tablette graphique. Voilà. Voilà, voilà. Ce que j'avais déjà remarqué, parfois tu te dis, bon, on n'a pas beaucoup de temps pour dessiner, etc. Tu veux, tout le monde joue normalement avec la souris. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu joues avec la souris? Par contre, this face, merci. Merci, détecte mon visage, ne détecte pas autre chose. Mais, par exemple, normalement tout le monde joue avec la souris, donc forcément les dessins, ils sont pas censés être ultra beaux. Sauf que tout d'un coup, tu vois un dessin qui a été fait comme s'il y avait un artiste qui avait pris son temps pour faire ci ou ça, mais qui avait dessiné vraiment avec ses mains, et t'es en mode, mais, what? C'est pas normal. Parce qu'il y en a qui utilisent la tablette graphique, et du coup, tu dis, ah ben ouais, mais on n'est pas léger, tout ça, la même enseigne. C'est pour ça que quand on fait des Gartic Faune, moi je joue à la souris et ma tablette graphique, je la laisse là où elle est. Après, si c'est que des gens qui jouent avec la tablette graphique, à ce moment-là, bon, bah, je prends ma tablette graphique, hein. Ah là là, péter les choux avec moi, Gartic Faune, t'auras peur. Ah là là, ça fait si peur que ça. Mais j'avais déjà vu tes dessins, toi, me semble. Ah oui, je les avais tous vus. Je les avais tous vus, tu les avais tous partagés chez Melio. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout? On est quel jour? Le mercredi. Normalement, la poubelle, elle n'a pas besoin de sortir, là. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Oui, mais là, j'ai pris un minimum de temps. Je me suis appliquée sur... Bon, si tu t'y es appliquée. C'est le temps, le point positif, c'est toujours ça. Tu peux être qu'être fier de toi si tu t'y es appliquée. Alors que sur le Gartic, déjà c'est pas libre, donc t'as pas toujours le temps et pas toujours un truc que tu sais dessiner. Oui, j'avoue, quand t'es en mode, ça veut dire quoi? C'est quoi? T'as pas la rêve du machin, t'es en mode Google, vite! Mais d'abord, il y a un temps de réaction en mode c'est quoi? Tu réfléchis, puis tu te dis vite, Google. T'as déjà perdu 10 secondes. Tu fais la recherche, tu regardes, t'es en mode d'accord. Et comment je dessine cette chose? D'accord, je vois, je fais ci, mais je connais pas. Attends. Ah, je vois, c'est ça. Ah, mais ça, ça se dessine pas, ça, ça, ça se fait deviner. Du coup, forcément, au bout d'un moment, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Mais en soi, c'est ça le challenge de Gartic Faune. C'est surtout pour rigoler, bien s'amuser. Et dessiner vraiment mal là-dessus. Il y a parfois de ces dessins que j'ai fait, je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fichu? Est-ce qu'on reconnaît? Et parfois, je suis en mode, oh, comment t'as fait pour connaître? Et parfois, je suis en mode, bon, normal que personne n'ait reconnu. Parce qu'il n'était pas fini, il n'était pas comme ça, c'est ça, et c'est pas ça ce que t'as vu qui devait apparaître. Le pire, c'est que quand ça te donne un thème et que tu dessines du coup le truc qui va à côté, mais t'as pas dessiné encore le thème principal et que t'as plus beaucoup de timer et que t'as pas le temps de le finir, et tu écoutes, t'es en mode bon, bah le mot va être changé. Donc, si je dois dessiner une personne, ce sera plus un stickman très très générique plutôt que cette personne. Ou bien tu te prends ton temps pour essayer de faire les contours de la personne. Même si c'est pas ultra réussi, voilà, au moins t'as fait un petit peu les contours, etc. Je sais pas trop comment expliquer ça.
Faudrait que j'ai un exemple. Est-ce que j'ai un exemple qui pourrait être plus... En gros, attends. Je vais ouvrir Paint pour donner la même impression que Gartic Phone. Non, Paint est toujours sur tous les PC. Oh mon dieu, oh, ça fait mal aux yeux. Oh, il fait mal aux yeux, Paint. Oh là là, je l'avais pas ouvert depuis des millénaires. Alors, est-ce que la scène des singes, je peux régler ça? Et tu vas me capturer Paint. Voilà, là vous avez Paint. Donc, par exemple, tu dois, je sais pas, dessiner... Qu'est-ce que tu dois dessiner? Tu dois dessiner une personne, donc un être humain. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que généralement, si je dois dessiner, je sais pas, un homme ou une femme, selon la façon dont l'histoire dont tu dois t'occuper d'eux. Enfin, non. Tu vois, tu fais des trucs, des formes, etc. Par exemple, hop, hop, hop. Tu vois? Peut-être pas comme ça. Hein. Peut-être quand même prendre un peu plus son temps. Hein. Pas faire comme moi. Voilà. Voilà. Bon, après, tu laisses peut-être de la place pour la tête, mais au pire des cas, tu lui fais une petite tête ovale comme ça. Ensuite, tu lui fais des gneugneux comme ça. Et tu lui dis salut. Voilà. Tu vois, du coup, c'est pas un stickman. C'est bon, c'est pas la forme idéale d'un corps humain. Mais voilà, tu comprends déjà ce que je veux dire. Tu fais juste tu joues un peu sur les ovales, des trucs comme ça. Et puis tu fais plusieurs bâtons, et puis voilà. Après t'assembles. Dessine Shrek qui mange une banane. Tu as 1 minute 30. Déjà mieux comment. Bah ouais, mais voilà, c'est juste un petit peu d'entraînement en soi pour faire ça. Et encore là, c'est moche que ce que tu fais comme ça. J'aurais pu faire mieux, je pense. Quand même. Et voilà, après, si t'as un stylet ou une tablette graphique ou des trucs comme ça, ça peut être mieux quand même pour t'aider à mieux dessiner quand tu joues à des Gartic Phone. Mais pour ça, mieux vaut t'entraîner aussi avec un petit crayon papier dans un cahier ou sur des feuilles de papier, simplement. Moi, je sais que j'avais un petit cahier de brouillon dans lequel je dessinais tout le temps. Et je l'ai toujours, je l'ai encore quelque part. Mais j'ai aussi un autre cahier dans lequel j'ai fait tous mes dessins, j'ai fait des peintures, des trucs comme ça. Mais je l'ai pas utilisé depuis longtemps parce que bah je crois que tous mes derniers dessins c'était sur des feuilles blanches A4 que j'ai tout mis dans un classeur. Et je m'étais entraînée aussi à beaucoup dessiner aussi à un moment donné lors d'un des Inktober. Donc en soit t'as plein de moments où tu peux t'entraîner à dessiner des trucs. C'est pas nanana. Ah là là. Et t'inquiète pas, ça va aller, Lucas. Oh my goodness. Il va encore pleuvoir, je le sens. Je me rendors. Tsuki, le ciel, il est recouvert, il va encore pleuvoir. Oui, c'est moi. Comment ça, c'est pas moi? Tu veux te battre? Ah, idem chez toi, il va pleuvoir. Oh là là. Non, parce que d'un coup, je commence à bailler, je regarde dehors et je vois... Ah ouais, pas étonnant. Le ciel est couvert. Il a plu je sais plus vers quelle heure. Il devait être midi, un truc 2 heures de chez nous, c'est-à-dire 10 heures chez vous. Et il y avait de la pluie. Et très fort, hein, quand même, la pluie. Mais voilà. Hein. C'est pas bleu, c'est vleuse. Comment ça, vleuse? Qui est vleuse? Mais d'ailleurs, pourquoi le chat est jamais réglé comme il faut?
Ça me stresse. Ça me stresse. Oh, je sais. Tu sais quoi? Dis-nous tout, Tsuki. Pendant ce temps, je vais régler le chat parce que ça me stresse qu'il ne soit jamais placé correctement. Où est-il, mon chat? Voilà, là, ça devrait être bien mieux. Des lentilles avec le motif des iris de ton avatar. Ah là là, il n'y a pas besoin de Tsuki. Bah bleu, bleuse, vert, verteuse. Nya, je ne suis pas verteuse, je suis toujours bleuse. Parce que j'ai les cheveux bleus. Oh là 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 là. Bah oui, c'est bleu mes cheveux. Ça se voit pourtant, hein, c'est du bleu foncé. Hein. Oh là là, t'avais jamais fait gaffe. Attends, mais pourquoi on me dessine avec des cheveux bleus à chaque fois sur les dessins? Bleu foncé, parce que c'est bleu foncé. Ouais, ça fait déjà 1h30 et il s'est passé plein de choses, trop de choses, Tsuki. Au point que pendant cette 1h30, enfin, ça s'est pas, tout s'est passé en à peine 1 heure en fait. Au point que on se pose des questions en mode, mais comment se fait-il que tout soit rentré en seulement 1 heure? Genre, une possession. Une possession terrifiante. Un bot qui ne respecte personne. Par exemple. Bon, je vais tuer du zombie sur Paint the Town Red. Ok, Ralph. Bon tuage de zombie. J'ai lu Paint, j'étais en mode... Eh? Aussi, tu veux Paint? Bah oui, on me dessine avec les cheveux bleus, moi. Oh, comment ça? Bah, sur mon serveur, si tu veux, il y a des clips que... Il y a un clip que Golemo a partagé de ma possession du jour hein, que Nightbot a décidé d'envoyer. J'ai fait un beau dessin que j'ai commencé en même temps que toi. Ah ouais? Et que j'ai fini. Montre donc. Et si on pouvait éviter de fermer ma fenêtre, je suis dans l'obscurité la plus totale après. N'hésite pas à nous partager ton beau dessin si tu veux. Ah là, mais ce temps. J'étais réveillée parfaitement il y a même pas une demi-heure. D'un coup, je commence à bâiller et à m'endormir à cause du temps. Ok, Tsuki, à toutes. Oui, si tu veux. Si tu veux le partager, oui, d'un dessin. Petit chaton, viens. Elle m'ignore. Oh là là. Attention, ça peut choquer les âmes sensibles très fortement. Alors, monsieur est baraqué. T'as pas envie de te battre contre lui. Tu sais très bien qu'il va te tabasser. Et le nuage, si c'est bien le nuage en haut, il est intéressant au niveau de la forme. Et le message qu'il essaye de faire passer. Monsieur a un flingue. En effet, dans le pantalon, j'ai vu qu'il avait un flingue. Et c'est bien un nuage, d'accord. Donc, je ne me suis pas trompée. Tu viens de résumer mes 2 dernières semaines, le temps m'endort. Ah là, mais moi, c'est généralement toutes les après-midi.
à cause de, bah, de la pluie. Oh my god. Je baille maintenant. Je baille. C'est... D'accord, il y a des voisins qui commencent à crier. Tu vas partir? Ok, Lucas, avec un Z. Bah, bonne journée à toi. Et à la prochaine. Merci d'être passé. De toute façon, moi je pense qu'on restera encore une bonne demi-heure, un truc comme ça en live, et ensuite j'irai me rendormir. Avec ce temps, je pense pas que je réussirai à tenir éveillé vraiment pendant des lustres. À moins que quelqu'un arrive à me maintenir éveillé. Ah là 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 là, mais ce temps. Je sais pas si. Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je... Pff, j'ai bu de l'eau, je peux pas me faire un cappuccino, j'ai déjà bu trop de liquide. Faut que j'attende que j'ai plus envie de que j'ai envie de boire un truc. Telle est la question que je me pose. Cappuccino ou pas cappuccino? Ah, je veux boire un cappuccino pour me réveiller. Mais d'un côté... Oh là, ces temps qui endorment, c'est les pires. Le pire, c'est que tout à l'heure, il faisait beau, il y avait beau soleil, ciel bleu, il y a beau soleil, là. Il y a une heure. Et puis d'un coup, ça décide de s'assombrir. Et de me faire bailler. Ah. Le ciel, tu me casses les pieds. Tu voudrais pas être un beau soleil avec un beau ciel bleu, là? Voyons. Comme la couleur de mon chat, voyez-vous? Il y a un beau fond bleu. Il est sublime, ce fond bleu. Et elle ne veut pas être comme celui-ci? Oh là là. Mab. Oh là 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 là. Faudrait que je reprenne mon animé bientôt. J'ai vu juste le premier épisode de Fire Force parce qu'on m'avait conseillé de le regarder. Et je n'avais toujours pas commencé à regarder. Du coup, bah, j'ai commencé hier ou avant-hier, un truc comme ça. J'ai vu l'épisode 1, j'ai jamais vu la suite. Faut que j'aille voir. Que j'aille regarder. Mais en ce moment, je suis sur la série La Chronique des Bridgerton, ou je sais plus quoi, mince, ça s'appelle exactement, mais j'étais en train de regarder ça tout à l'heure, et j'ai déjà envie de voir la suite. Je veux savoir comment ça va se finir. Ma curiosité ne sera assouvie que quand j'aurai vu la fin, mes fins. Ah là 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 là, tant des enfers. Et le pire c'est que j'ai pas envie de bouffer quoi que ce soit là, donc vu que j'ai bien mangé tout à l'heure, ça risque pas de m'aider. Et vous les chats, vous avez d'autres choses à me dire? Essayez donc de me réveiller, je vais m'endormir sinon, ce sera dramatique de m'endormir en plein live. Ah là là. Au pire, ce sera pas un live ultra long, mais quand même, si je pouvais éviter de m'endormir. Sachant que mon père est déjà en train de tout fermer. Je me sens déjà dans un mood de dodo. Il est en train de fermer tout. Il fait sombre. Il fait nuit. Tu dors aussi, c'est non. On va s'endormir. Ah là là, malheur. Tragédie, cauchemar. C'est la fin, les amis. Nous ne survivons pas assez longtemps. Plus très longtemps, 2 mois. Le temps nous achève, mais nous voulons juste rester réveillés. Mais le temps est contre nous. Nous devons musique.
Ah, c'est la musique de Joyka, je me disais aussi. Oh my god! Arrête de bailler là! Attendez, je me gifle un instant. Ça n'a pas marché totalement. Là. Je regarde ce petit chat derrière moi qui est en train de dormir. Ça me donne presque envie de dormir. J'ai envie de l'imiter. Oh là, les gens. Oh là. Je pense que je vais aller me rendormir, les gens. Au pire, on va arrêter là maintenant. Et puis voilà, on va juste vous envoyer tous chez quelqu'un. Comme ça, je suis sûre que vous ne serez pas venu pour R. Je vais vous envoyer sur un petit peu de gameplay. Bon, pour ceux qui connaissent, The Forest. Actuellement streamé par mon petit Wolf. Tant que je vous envoie chez lui. Voilà, hop. On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Du coup, merci à vous tous d'être passés, d'être venus. On se dit bah, à demain pour un prochain stream où j'espère que cette fois-ci le temps ne m'aura pas endormi et que je serai réveillée. Et on fera peut-être du gameplay cette fois-ci. Un peu de jeu. Et pas que du blabla. Du coup, bye bye tout le monde! Ha ha.